Et ce sont les joueurs du Real Madrid qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Higuain. Ah, il veut jouer le ballon. Kedira. Il va essayer de reprendre ce ballon. Drenthe. La charge. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Oh, il est en position. Et l'attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Très bonne anticipation sur cette sortie. Il est à la lutte. Il intervient. Farinos. Sergio Ramos. Maître Degué qui se bat pour essayer de reprendre ce ballon. Hors-jeu. Hors-jeu. Et on balance devant. Il est à la lutte. Oh, le tampon. Ah, on va revenir à la faute. L'arbitre qui appelle le joueur du Real Madrid. Mais oui, je crois que c'est pour le jaune, Hervé. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes au joueur qui va rentrer. Il va prendre la tête. Ballon bien capté par le gardien. Il perd de ce ballon. Xabi Alonso pour récupérer ce ballon. Benzema, la charge. Et Benzema qui n'a pas pu corriger la trajectoire de ce ballon. Touche. Et Benzema qui lui dispute ce ballon. Xabi Alonso. Allez, le Real Madrid qui s'approche du but. Il fixe. Ah, il ne peut pas grand chose hein, sur ce faux rebond. Et il essaie de reprendre ce ballon comme il peut. Et il en est déséquilibré au moment de la frappe. Et Meringue et qui reprennent possession du ballon. Karim Benzema. Ozil. Xabi Alonso. Mais pas très rassurant, mais en tout cas ça donne de l'air. Sergio Ramos qui demande à ses partenaires de se démarquer. On a bien vu le centre. Ah mais c'est pour personne. Attention à ne pas commettre de faute. Allez, ils vont pouvoir aller de l'avant. Doté. Très aigué. Une petite charge. Avec Kaka. Interception. La charge. Ah, elle va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. Cortés, Doté. Attention à ne pas commettre de faute. Et le ballon est perdu pour tout le monde là. Intéressant hein, ce chiffre sur la possession. Et ça reflète bien hein, l'équilibre de ce match quant à la circulation du ballon. Ozil. Kaka. Intervention. Oh, l'arbitrage à l'anglaise là. Xabi Alonso pour récupérer ce ballon. Xabi Alonso, pas de faute, c'est bien joué. Marcelo. Attention à ne pas commettre de faute. Bon, ça s'agite hein, autour de l'arbitre. Et c'est le jaune.
Et les deux entraîneurs qui vont procéder à des changements. Drenthe. Allez, il conserve le ballon. À la fin de sa chevauchée, il essaie d'intervenir. Sergio Ramos. Oh, ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Xavi Alonso pour récupérer ce ballon. Drenthe. Et maintenant David Trezeguet. Trezeguet, il a été balancé, mais il conserve. Et un coup franc à venir. Avertissement sans frais finalement. Oui, mais si vous voulez mon avis, l'arbitre a dû être très clair avec lui. Alors qu'on va procéder à un changement. On charge à Cristiano Ronaldo. La passe était trop appuyée. Alors qu'on va faire rentrer des forces vives des deux côtés. Il peut y avoir danger peut-être sur cette montée des joueurs du Real. Avec Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso. Non, non, ça va s'arrêter là. Il y a hors-jeu. Ah, c'est bien donné, ça. Farinos. Ballon pour Kaka. Attention à ne pas commettre de faute. Et l'arbitre a sifflé, coup franc. On va-t-il marquer de la tête? Dommage, dommage, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Ricardo Carvalho, Sergio Ramos, ouais, il y avait faute mais ça... Ouais, ça n'a pas profité, alors on revient à la faute. Oh oui, bien joué. La charge. Ce serait une touche en faveur du Real Madrid. Karim Benzema. Xabi Alonso pour récupérer ce ballon. Xabi Alonso. L'interception sur cette passe de la Saint-Ladiara. Oh, attention à cette occasion, il va marquer. On s'est bien par... On s'est renvoyé par le poteau. Ah non, il ronde le ballon à l'adversaire là. Il intervient. Il a bien évité le tacle glissé. Ah, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mais elle reste à égalité au bout des 90 minutes.